Cavapote, ça fait. Ce son, c'est comme un petit hommage. Un petit hommage, frère. À ceux qui partent trop tôt. Ok, ça fait. Ce son, c'est comme un petit hommage à ceux qui partent trop tôt. Dans ces moments, t'as honte d'avoir pensé qu'il n'y a pas de poteau. Mais là, j'ai plus le temps, je t'assure que ça devient urgent, fils. Quand je pense aux gens que j'ai côtoyés qui ne sont plus en vie, ça me fait mal au cœur, pire, ça laisse une sale odeur. Là, c'est moi l'auteur, les vrais sont rares comme ceux qui voient nos pleurs. Au début, vous êtes tous halpes, puis des poteaux se cassent, prennent des poteaux de face. Au cimetière se fera l'ultime photo de classe. Pour moi, la vie, c'est des gens qui viennent, des gens qui partent. Dans des grands virages, à la mort, y'a des nouveaux candidats. Moi, j'ai tant de peine, la musique m'entraîne. J'calcule plus la mort, car elle m'a privé de mon grand-père. J'me console avec tant de pilons, j'ai plus d'ambition. En fait, j'me dis que la mort, c'est que le stade final de l'embryon. Mais faut pas trop d'en faire, lésine sur tes commentaires. J'vous dédie ce morceau, j'souhaite que vos âmes reposent en paix. Kava, dédicace Street Freestyle. Donc moi c'est Kava, je suis un MC de la région de Mons, j'ai 18 ans, je fais ça depuis 2-3 ans. Niveau de projet, j'ai déjà sorti un projet solo qui s'appelait La fin du début, c'était une petite mixtape, téléchargement sur le net. Et là je suis sur un projet avec 2CP, on va sortir dans les semaines qui arrivent, et par après je taffe en parallèle sur mon projet solo. Niveau des clips, il y a un clip ici qui arrive avec Saut de mauvaise graine, c'est le premier extrait de mon projet. Et le son, il s'appelle Le loup dans la bergerie. J'ai beaucoup collaboré avec des gars de la région comme Semso, qui prépare aussi son projet, donc faut check, le gars MEH. Et sinon, les featuring, ça se fait au feeling, tu vois, je suis là posé. On va à des concerts, on se bouge, tu vois, et quand les connexions se font, ça tape le fil, tu vois. Mais voilà, ça se fait au feeling. Si, mais là, tu vois, je suis sur une connexion avec les gars de la Selecta, on va taffer des trucs. Mais les rapprochements, ils sont vraiment au feeling, tu vois. C'est vraiment quand je vois les gens, il y a des gens avec qui j'aimerais bien poser, mais je poserai avec eux que s'ils ont envie de poser avec moi, tu vois. D'abord, j'enregistre à leur studio, c'est ça qu'il faut savoir, donc je suis beaucoup en connexion avec eux. Et après, ouais, j'adhère beaucoup à leur délire, ils font les trucs propres. Et voilà, quand on me propose les sons, moi je suis toujours au fait, tu vois. Bah voilà, ici c'était dans ma ville, c'est un endroit où je reste tous les jours, voilà, c'était plus facile à trouver. Franchement, ça dépend. Je peux taper un morceau conscient et le morceau juste après, je vais l'écrire encore. Ça dépend de la prod, de l'humeur, de l'état d'esprit, ça dépend. Tu veux me trouver sur YouTube, tu tapes Kava sur YouTube, tu cherches bien, tu verras les vidéos, tu tombes sur la chaîne, tu regardes. Sur Facebook, moi c'est Alex Kava, il y a ma page Kava officielle, tu rajoutes, et voilà, tu suis, ça suit. Une grosse dédicace à Street Freestyle et à tous les gens qui se bougent dans la région pour promouvoir les artistes, ça tue.